La compagnie, elle surveille en permanence ces mineurs, de la naissance à la mort quasiment. Les mineurs ont toujours respiré de la poussière, porté des charges de très lourdes, travaillé dans le bruit. Donc effectivement, le métier est toujours resté très difficile, et avec notamment aussi des maladies professionnelles comme la silicose, hein, qui en a atteint beaucoup d'entre eux. Pour attirer les mineurs, les compagnies leur construisent des logements. Dans la cité, les familles vivent dans des maisons collées les unes aux autres. Ici, chaque logement possède un jardin potager, un moyen pour les patrons de soutenir sans trop de frais le budget des familles. C'est aussi un moyen de contrôle de la population ouvrière. Les mineurs vont avoir l'obligation d'entretenir leur jardin et de ce fait vont forcément, dans leur temps libre, avoir tout un temps qui va être dédié à ce jardin. Et ça, c'est aussi, bien sûr, pour éviter les rassemblements sociaux, les mouvements de grève, grosso modo, la revendication. La compagnie, elle surveille en permanence ces mineurs, de la naissance à la mort quasiment. Alors ça passe par les ingénieurs qui ont des maisons à proximité ici de la Cité des Écritiens et qui ont une vue à distance sur ce qui se passe à l'intérieur de la cité. Et en proximité, ça se passe par la présence d'un garde dont le rôle, en tout cas un des rôles, est de surveiller effectivement tout ce qui se passe à l'intérieur de la cité.